Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode que je tourne à la suite du premier. Alors cette fois j'essaye de tourner à 30 fps, 30 fps c'est un peu relou, c'est dommage. Mais bon, si on peut éviter les lags, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour éviter les lags quand même, parce que le jeu est assez dur comme ça. Donc là on est un mage, on a été tellement nul qu'on s'appelle The Useless Knave, voilà. Là on a deux assassins. Ah lui il est intéressant. Puis lui il a quoi? Endomorph. Oh, c'est nul Endomorph. Et OCD, ah oui ok, il est maniaque. Donc lui, oh, c'est un assassin, donc de nouveau même caractéristique que l'autre. Celui-là il a hypergonalisme, ce qui fait qu'en fait ses attaques ont un plus grand knockback, du coup il jette ses ennemis plus loin. Ça peut être pratique. Par contre, il est hypermétrope, donc il voit flou de près. Donc ça par contre c'est relou. Surtout avec mon logiciel de tournage, je sais pas ce que ça va donner. Donc on va peut-être pas prendre lui. Lui par contre, il a pad et pad. Ça fait qu'il a des problèmes artériels, ok certes, mais surtout il n'active pas les petits pics qui sortent du sol. Ne fonctionne pas sur lui, donc il ne s'active pas quand on marche dessus, donc ça c'est très intéressant. Puis lui il a endomorphe, donc endomorphe ce qui fait que quand on tape un ennemi il n'y a aucun knockback, donc ça c'est hyper relou. Par contre il est maniaque, et pour un mage c'est très bien, parce que le fait qu'il soit maniaque, en fait à chaque fois qu'on va casser un objet ça va nous redonner un point de mana. Donc pour un mage ce serait parfait, mais il est endomorphe et endomorphe je n'aime vraiment pas. Donc on va pas prendre le mage, en plus mage je maîtrise pas. Donc, parce qu'il a très peu de PV, beaucoup de mana, certes, mais très très peu de PV, ça j'ai du mal. Donc on va reprendre un assassin, avec Bad, donc j'espère qu'il y aura des salles avec des pics qui serviront à rien du coup. Donc là j'ai pas assez d'argent pour acheter quoi que ce soit, je suis mort quasiment au début. On va tout simplement donner tout notre or à Charon. Il va devenir riche hein, à la fin de notre épisode. Alors je lance le chrono. Je vais le lancer. J'ai l'impression que ça va un peu plus lent quand je joue à 30 fps. Ouais, c'est clairement ça en fait. Je pense que si je peux éviter de mourir dès le début, ça m'arrange. Donc regardez, celui-là il est, c'est un vrai, il n'a pas les contours noirs. Puis celui-là il est, c'est un faux pied, bouge en plus. Donc, on va le tuer direct. Hop. On va tous les plus sales. Juste avec un ennemi différent. Oh le critique. Le critique qui passe. Donc là, hop, toi t'es un faux. Qu'est-ce que tu peux éviter de. Tu peux éviter de venir. Sinon, je peux pas récupérer ton argent si t'en avais. Hop, donc ça c'est un vrai. C'est dommage, j'ai trop mis. Aïe. Ouais, regardez les pics là, ils ne s'activent pas. Donc c'est hyper pratique. Et on peut utiliser tout seul. Qui touche le squelette en haut. Ça c'est pas la chance. Ah ouais, j'ai tué un œil. Parfait. Mais je me suis tué. Eh ben je suis vraiment mauvais aujourd'hui. On va relancer une deuxième vie directement. Alors, paladin, encore un assassin et un mage. Un mage intéressant avec de nouveaux maniaques. Puis surtout un sort très intéressant. Lui des gays, or gay, je sais pas ce que ça fait. Dans le jeu, je sais pas ce que ça fait. Sinon il est ectomorphe. Ah. Ok, alors le fait qu'il soit ectomorphe, bon déjà il a l'air d'être aplati comme une crêpe le pauvre. Le fait qu'il soit ectomorphe, en fait chaque coup qu'il va recevoir va l'envoyer, enfin il se prendra un plus gros knockback en fait. Voilà. Lui il a colorblind, donc colorblind ça fait juste qu'il voit pas les couleurs. C'est rigolo visuellement, mais on va prendre lui parce qu'on va jouer un mage.
pouvoir. Ah, mais on a assez d'argent pour acheter quelque chose cette fois. Bon, on va acheter. Bah, l'architecte, c'est pas très utile. On va acheter l'enchanteresse. Voilà. Par contre, je vais peut-être encore baisser le son du jeu qui est trop fort réellement. Donc voilà, donc là je vais relancer le chrono. Bonjour héros, ouais. Donc ça permet de courir. Ah non, ça permet de faire des dashs. De piquer un petit sprint sur de courtes distances et ça permet de faire des doubles sauts. Et sinon on n'a rien, d'accord. Donc le mage qui fait encore moins de dégâts, c'est la classe qui fait le moins de dégâts. Mais par contre, en termes de mana, en termes de dégâts magiques, il fait beaucoup plus mal. Et surtout, il a énormément de mana. Vous pouvez voir, 150, c'est pas mal. Par contre, 60 HP. Ça va être compliqué. 60 HP, on va pas aller loin. Clairement. Donc là, je lance le chrono. Donc j'espère faire plus qu'une minute. Parce que moi, j'ai fait une minute. Voilà, comme je suis maniaque, Il y a un poulet là-bas. Comme je suis maniaque, ben, chaque objet que je vais casser, ça va. Super, il passe à travers en plus. Ça va, et je suis déjà mid-life. Ça va me redonner. Du mana. Par contre, c'est juste petit. Par contre, c'est hyper coûteux en mana le sort que j'ai. Là, j'ai plus de mana, super. 4 coups pour tuer, c'est beaucoup trop. Ah, par contre là j'ai plus ma caractéristique de plus activer les pics. Donc, voilà. Là il y a un coffre en bas. Je sais pas trop comment je vais récupérer sans prendre de dégâts. Ah, super. Oh, 6 points de vie, je vais aller loin, tiens. Oh mon dieu. Allez, 2 vies à 1 minute, je vais pas aller loin. Bon ben, l'épisode sera hyper court malgré que j'ai fait 2 vies. Donc merci d'avoir regardé cet épisode et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.